partie YouTube, nous continuons à espérer finir ce jeu un jour, mais jamais. Franchement, je pense que on n'est pas pressé. Et je pense que je vais passer un grand moment. Oui, j'ai dans l'idée de faire un challenge. On va faire des challenges. On va faire un challenge, on va faire le Picarun qui me donne des trinkets random au début. Et c'est une run où il faut qu'on aille jusqu'à Isaac. Alors ça, je sais pas. Adoption paper. Ça, c'est de la luck. Ça, c'est... je ramasse des clés, ça me donne des bombes. Je sais pas. Donc on va reroll pour avoir les bons objets. C'est ce que je disais. Là, le coup d'avant, on avait eu un bon objet. J'aurais dû faire cette run là, mais bon, je me suis... Et on a joué legit avec vous, voyez-vous. Là, c'est par exemple, regardez. Dégâts. Tears up. Voilà. C'est ça qu'on appelle les bons objets. Et on va essayer d'en reroll d'autres, mais à mon avis, on n'aura jamais meilleur que ça. L'objectif, c'est de faire les challenges aussi. Les challenges, bah, quand ils sont pétés comme ça, t'en profites. Hein. Là, hop, tu reroll. Ça, c'est à chaque fois que j'utilise un activable, je peux me téléporter. Oh, les salles d'objets te donnent des trinkets. C'est trop nul. Alors ça, si ça te donne un cancer, comme j'ai ramassé là, ah ok, regarde, cancer, cancer, tirs de malade, et derrière, regardez, dégâts avec mes cornes, là. Quand tu veux, tu vois. Là, le build, il est, putain, regardez, ta. C'est bon, on va aller dérouiller Isaac. Alors attention quand même, les boss, faut... Alors, j'ai envie de gagner une run quand même aujourd'hui, donc un petit challenge. Ah, les challenges, je sais même pas si c'est pas en mode normal. Je crois que c'est en mode normal, les challenges. Ah putain, mais non, je sais pourquoi ça me donne que des trinkets. C'est parce que c'est l'objet qu'on a avec nous, en fait, qui te file que ça. Enfin, je pense, ça doit être ça. On va voir, hein, si c'est que ça, c'est que cet objet fait ça. Ouais, faut bien le retenir. Ah non, mais attends, c'est-à-dire que c'est quoi le David Deal? Déjà, on va voir si on va l'avoir. Après, si on joue en normal, là. Enfin, les challenges, la plupart du temps, c'est en normal. Bon, par contre, c'est normal que mon objet me donne des. Même une rune, là, on va essayer de la ramasser. Normal que mon objet, par contre, me donne. Il donne des trinkets, hein. Après, box. Des babioles. Trinket seeds. Ah! Bah non. Ça devait être un cricket set, et évidemment, ça m'a donné. Ah, mais bon, je m'en fous, j'ai déjà les deux meilleurs. Quasiment pas starté, vous avez vu. C'est quoi? Forgotten Lulabi. Ah, oh, je perds 4 de dégâts quand j'ai pas ça. La question, elle est vite répondue, hein, comme il y en a qui disent. Ah, c'est quoi ça? Le bet face, c'est cool. Alors ce challenge-là, il est cool pour une chose. Tu découvres les trinkets. Sauf que là, bon, évidemment, nous, on s'en fout. on prend ce qu'on connaît. Hein. Attends, ouais, il faut battre des olimbes hein, pour avoir les cornes, je crois. Je vais me faire toucher parce que je me suis approché. Le coffre-là, il va prendre cher. Le blessé de Penny. Ramasse des clés et des pièces, ça doit me... Je pense que ça doit me soigner. Ah non, le David Lee, il est correct. Et le David Lee, il est correct. Après, c'est peut-être une connerie que j'ai fait, là. J'ai fait du dégât. Et... j'aurai jamais de HP up. Ouais, le David Lee, en fait, c'est... On va espérer que le prochain Devil Deal, ça soit une connerie genre Ceremonial Robes ou quelque chose. Point 9 de dégâts, là on est... Alors, il peut y avoir des trucs encore plus pétés que ça, hein. Mon cancer, je peux le remplacer par un... Il y a un ou deux trinkets qui m'intéressent, hein. C'est mieux. Par contre, ça nous donne beaucoup de cœur. Là, le DVD intéressant, ça aurait été. Ouais. On pourrait être Guppy aussi, là, si on cherche bien la merde. Ah non, mais ouais, mais de toute façon.
Merde, j'ai pas de coffre, j'ai pas de clé. Très mal joué, hein. Non! Très mal joué. Très mal joué. On a pas ouvert la salle d'objets. Objet. Ah non! J'ai gardé mon dégât. Attends. Ah, ça me les a mis comme des objets que j'ai ramassés. Regardez, c'est le cancer et l'autre là. Ça me les a mis comme si c'était des gros objets. Donc le temporary là, machin là, là tout, ça me les a. Ah, mais ça doit marcher qu'une fois, je pense. Et sauf là, ça va pas me le mettre en rouge. Bon, ouais, je pense que c'est ça. Hein. Regardez, j'ai gardé toutes mes stats. Bah, tant mieux, hein, parce que j'ai cru que j'avais fait une connerie. Moi, j'allais dire ah non, ça c'est inédit. Vas-y. Oui, j'aurais pas dû. J'aurais pas dû. J'ai plus de clé. Ouais, j'ai un cœur. Oh, c'est comme il est parti sur le côté là. Et là. Et ça se trouve, il y a un passage. Ah oui, alors maintenant les trucs comme ça de maman sont juste ici. Faut plus à l'entrée. Ah, est-ce que je le veux lui? Ouais, vas-y. Gaffe, ma manette est en toute seule. Ah merde, j'ai pas vu. Ira. Ira, c'est bien. Ira, c'est bien, mais là, ouais, enfin. On va pas jusqu'aux chaises, donc on s'en tape un peu. Attends, mais si, on peut tout accumuler maintenant. Est-ce que ça reroll les trinkets? Pas du tout. C'est quoi celui-là? Ah mais non! C'est mon objet! Comment il s'appelle? C'est mon objet machin là, les pilules avec le sac là, qui accumule et qui bouffe les... quand je me fais toucher, ça bouffe les trinkets. Et ça me les garde avec moi. Ok, donc faut que je ramasse les bons, il faut bien que je ramasse les bons là. Attendez, mais on va temporiser, hein. On va faire le stock de babioles intéressantes. Hein. Par contre, putain, je rame du cul. Attends, mais... Il y en a pas qui traînent, là? Ces babioles sont bonnes à prendre, quasiment. Hein. Ah, après, il y en a qui sont... Vous voyez, là, moi, j'ai mes deux babioles ultra pétées de l'amour, là. Elles sont en moi, je peux pas les perdre. J'ai ramassé des tirs et des trucs de malade. Et du dégât, blablabla, regardez-moi ça. On se balade, hein. On revit, là, on redécouvre le jeu, là. C'est du bien une petite run comme ça, une fois de temps en temps. Et l'autre, là, celle-là avec la stopwatch, un peu dommage, hein. Un peu dommage. Mais bon, c'est cool, ça nous a permis de voir que la stopwatch... Bon, y a un truc que je vais vous montrer, c'est Mamma Mega. Alors, Mamma Mega, c'est toujours pareil qu'avant, mais graphiquement, ils ont changé...
Ouais, attendez, je vais bien. On va bien tout clear, hein, on va voir. Putain, je rame du cul. Ah, si je pourrais tracer la run, mais je vois pas l'intérêt de vous faire une VOD de. Ok. Très intéressant en fait le. Mais c'est un objet qui était déjà dans Afterbirth, ça en plus. C'est même pas vraiment nouveau, c'est le challenge en lui-même qui est nouveau. Le gars est acceptable. Le gars est à 9. 14% de Devil Deal, 100%. Un peu acharné sur lui, mais bon. Oh, je regardais juste. Pas le coup d'être répondu tout de suite. Aïe aïe aïe. C'est quoi? Justice, c'est gain. Et infini, ça c'est gain. Sauf que j'ai toujours pas de clé tout court, hein. Lui veut des bombes, on peut lui en donner. J'ai de la range. Hein. Ça y est, tu vois, les bombes, vaut mieux les garder. La tique, ça il faut surtout pas le ramasser. L'objet est-tu là? T'en sépares plus. En fait, elle t'empêche de prendre d'autres. Alors, je crois que c'est quand je me faisais toucher hein, que j'absorbais les. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cœur. Ouais, on se. Ah putain, mais non, mais je suis bête. Je suis bête. Ce rocher là, tu peux rien y faire. M'emmerderait. Ouais, c'est vrai que les pièces, ça sert pas grand chose. ...7% de Devil Deal, j'aimerais bien avoir mon Devil Deal avant, mais bon. J'aurais bien aimé que le magasin me donne des cœurs pris, sans doute. Quoi ça? Ça s'appelle panique quelque chose, je le prends rarement. Hein. Est-ce que Yira, ça m'aurait doublé mes trinkets? Parce que putain, si j'avais eu les deux premiers, machin et tout, je me serais suicidé. Mode, vas-y, s'il te plaît.
Alors ensuite, on va faire le boss, on va se faire toucher. Ça va être facile, on est pas. Ah si, c'est l'orgueil. Ouh! Ah, j'ai eu de la chance. Là aussi. Et elle fait pas les mêmes sauts qu'avant. Ouais, c'est un boss qui n'a toujours pas beaucoup de vie, donc voilà. 17% c'est 100%. Yes. Pas de PR. Ah. En plus, qui va pas me donner. Peut-être qu'en plus, qui a changé de design. Hein. Reste bien dans tout. Ça c'est bien. Les chapeaux womb, je crois, non? Non, ou c'est les machines de reroll dans les. Ah, je sais plus. Là, le cœur de pas pour l'avoir. Si je lira le cœur, il va pas dépasser là. Je crois pas. Hein. Normal. Voilà, ouais, ça les bouffe. Trop bien. Trop bien, tu peux vraiment abuser du truc. Par contre, mon DVD est en train. Et après, on va aller voir s'il y a celui du David Lille. Récupérer un maximum de trucs. Ah putain, je suis bête. Pas d'autre là. Ça va le point. Dans la salle de challenge, c'est un peu limite. Hein? Pourquoi il... Enlever. Je sais pas pourquoi. Pas le pire des herbes. Ah, des pins. Des mini pins. C'est parti. Ça c'est cool ça. 36% des villes, c'est 100% en plus. Ah, je suis con, j'aurais dû ira. Allez, c'est parti le caca. Merde. 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 Venez, 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 hop, ici toi. J'aurais dû lire les cœurs, putain, mais quel con. Quel mauvais gameplay. Pilule, on va piller. Pex. Pex, c'est l'effet, je peux prendre qu'un demi-cœur côté. Bonsoir, je dois faire pour une salle. Ça c'est oui, regardez quand il est pas chargé, je suis très fort. Ils, ouais. Défendre un boss, sur deux.
Ah, prime, regardez. Ah ouais, là, il va se charger. Ouais, là j'ai de la force là. Il me faudrait l'éclairer comme ça, là je l'utilise jamais et puis voilà. Attends, j'utilise. Ouais, j'utiliserai pour la salle de boss. C'est un boucle. Ouais, mon. Ira bien. Regarde. Ah putain, c'est le dernier moment. Le briquet. Oui. Ah. Ah, de toute façon, après ça se trouve, je vais me mettre un petit coup dans les reins. Allez, vas-y, prends un coup, yes. On va faire tous les trucs. Ok. La pin. Vraiment faire gaffe. Vraiment. J'ai douté un peu. Normal, hein, ça c'est ma petite mouche. Ah. Bombe infinie, c'est pas une seule bombe déjà de base donc. Non mais j'ai l'impression que j'ai ramassé, il y a un objet que j'ai ramassé et il enlève tous les pics. Ah, je me demande si c'est pas le truc là que... Je savais pas trop ce que c'était. Vous avez vu là, la salle de sacrifice, les pics ils y sont plus. Ils m'ont débarrassé donc je peux pas voir. Et les cailloux tout à l'heure, pourquoi je pouvais y passer? On sait pas. C'est bien, c'est bon à savoir ça. Les clés par contre. Voir. Wow. Truc qui va pas me donner des bombes quoi. Là. Non, même pas, non. Ok. Putain, là, t'as vu, du coup, ça l'active pas. Oh, ça, c'est trop bien. Ah, c'est trop cool. Si c'est ça le trinket là que j'ai ramassé, là, la potelle, je sais pas quoi, là. Trop bien. Ah, une deuxième mouche. Moi, je me suis fait toucher, donc du coup, c'est cool. J'ai eu le Devil Deal en plus. On va ramasser ça et le Swallowed Penny. Il y a un peu de design, le Swallowed. Ah. Attends, on ne donne rien. Très, très vite, c'est normal, hein, ce... Ok, déjà. Oh, les fleurs. Oh, les jolies fleurs. Les fleurs, on connaît pas. Ah, par contre, ouais, j'ai pas envie de me faire démonter le cul, alors... les fleurs, on connaît pas. Cette Penny, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir de là-dessus? Alors on connaît pas. On ramasse tout. Encore le briquet. Putain, mais ils veulent que je le prenne le briquet. Ah oui, il n'y a pas les pics. On s'en fout. Allez, c'est mardi. Est-ce que vous êtes chaud? Ah. Alors, ya, c'est bien ça. Rebonjour, rebonjour Luan. C'est bien, mais j'ai pas besoin. Alors, en fait, c'est trop bien ce trinket. Regardez ça, j'ai aucun pic qui apparaît. Royal. Alors, là, regardez, y a pas de pic qui apparaît. On peut y aller tranquille. The Sun, donne-moi le mapping, merci. Alors, c'est une. Je fais une. Comment ça s'appelle? Un challenge.
un challenge où il faut ramasser... En fait, c'est que des trinkets qu'on te donne. Tu peux ramasser que des trinkets, enfin des petites babioles, donc des petits objets. Et quand je me fais toucher, t'as vu, je peux les ramasser comme des gros objets, donc du coup, j'en ai ramassé plein. J'ai exprès de me faire défoncer le cul pour, voilà, pour récupérer des objets. Mais sinon, ça va très très bien, Étoile Web. Oh, une bouche. On veut la bouche. Un HP up. La bouche et un HP up gratos. Je vais me débarrasser du... Ouais, pour l'instant, je vais garder le HP up gratos. Je vais essayer de me faire toucher, histoire de le gober. Ah, ça passe pas. C'est bon, bah je l'ai gobé du coup. Je me suis fait toucher. Donc je vais pouvoir ramasser lui. Tout mon HP up gratos, c'est pas grave, je vais ramasser les cœurs hein, pour me refaire de la vie. Faut juste que je me fasse pas trop toucher, parce que sinon j'aurais pas le débit de l'île. On va ramasser le briquet, là. Le briquet, ça crame des ennemis, tu vois. Tu rentres dans une salle. C'est pas mal. C'est bien, même s'il fait très chaud dehors. Ouais, on est bien aujourd'hui, hein. Moi j'ai tout ouvert chez moi, il fait plus chaud dehors que chez moi. Quel con ! Quel con ! Non ? Ah non. Je pensais que j'avais déjà ouvert. Non. Il est très intéressant ce challenge. Hein. Après, moi je l'ai niqué parce que dès... J'ai reroll légèrement et j'ai eu tout de suite un objet de malade. J'ai eu du dégât et du tir, donc du coup j'ai déjà une grosse cadence de tir. C'est caca, hein. Ouais, mais tant mieux s'il fait chaud. De toute façon, on va se recaler les couilles dans deux jours. Hein. Il annonce du très froid. Enfin, du très froid. Lui, il va faire des températures négatives la nuit. Magasin, là, on va aller. Ouais, il n'y a pas les pics. Là, toi, normalement, j'aurais dû me prendre les pics. Hein. Oh, le briquet, là, qui carry. Ah! Un des meilleurs objets du jeu, ince. J'ai gagné 3 de dégâts là. Après je vais. Mon dégât va baisser un peu je pense. Ah. Je vais pouvoir me faire. Je vais me toucher, je vais me prendre un coup gratos. J'allais me prendre un coup gratos quelque part, c'est bon, ça passe. Je serai au chaud chez moi avec mes distances. Ah ouais, putain ouais, toi du coup tu vas pas aller en cours là. Attends, même les curses, ça les rend... Putain, je peux rentrer dans des curse rooms sans me faire mal, y a pas les pics. Mais c'est trop bien ce trinket. Mais c'est trop bien. Oh, tu trouves ce trinket dans le challenge Cursed qui te met un coup de dégâts dans la gueule à chaque fois que tu rentres dans une salle. Tu fais le challenge sans problème. C'est trop bien. Par contre, voilà, ce challenge, il a un défaut. Hein. Il a un défaut, je vais te le montrer. On ramasse que des... est-ce que le feu, ça fait très très mal? C'est juste un dégât. Un demi-dégât, voilà. Allez, on ramasse les trucs, on les absorbe, histoire qu'ils soient toujours en nous. C'est un peu lent, là. Ouais, je suis toujours à 1, putain. Ça c'est le duct tape je m'en tape, j'ai pas de familier. Là on a dit qu'il y avait rien, attends. Est-ce qu'il y en a des... J'espère bien, j'espère. Bah non, je gagne carrément là. Comment ça, j'espère bien, j'espère. On a le. Déjà hier t'es parti sur un live Mario Kart là. Enfin t'inquiète, hein, j'ai bien perdu la première là. Là, je fais un challenge parce que justement j'en ai marre de me faire défoncer le cul. Je vais voir le magasin après. Bon,
Bah des mouches, j'en ai déjà pas mal. Donc putain, si lui il me file des mouches en plus de l'autre. Toucher le pied de maman, attention. Avant, tu pouvais te frotter contre le pied de maman. J'ai avalé mes babioles, du coup, j'ai pas fait exprès, mais bon, voilà. On va prendre le Polaroid. Il va me servir à rien parce que full light. La room, GG. Gagner un HP up. Ah, c'est peut-être le l'autre. Ça. Bien, ça, je suis pas sûr de faire comment ça tire. Oh, vas-y. On est là pour ramasser un maximum de conneries. Oui, c'est celui-là que je voulais. Alors, par contre, on va repasser avec les tirs normaux. Hein. Voilà. Pourquoi je voulais celui-là? Parce que quand j'aurai chargé à fond mon objet, du coup, j'ai plus besoin de l'utiliser. Regardez, hop là, full dégâts, allez, c'est parti. Que je l'utilise ou pas. Par contre, là, j'ai pris mal de dégâts. Rythme des buildies, là. Ah, c'est trop bien, ils sortent tout de suite quand tu les attaques, regardez. Merde. Donc, du coup, j'ai aspiré les autres. Petit faille. Fais gaffe, on est dans le. Quoi ça? Ah, on dirait un double shot, mais. T'as un double shot une fois de temps en temps, non? Je connais pas celui-là, c'est un nouveau. Et c'est lui. Bon, porte. Tout Frottman, bah ouais, mais ouais, qu'est-ce que c'est quoi c'est, voilà, mais moi, le jeu, tout de suite, il a perdu un point dans sa note, quoi. Non. Hop, là, la curse, je peux y aller. Gratos. Merci. Ah, est-ce que j'ai envie que ça parte plus vite les larmes? Regarde, ça c'est pour tirer des missiles. Piou 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 piou. Ça accélère ma vitesse de larmes, mais. Il y a très peu de builds qui sont très intéressants, ultra rapides. Après, moi le mien, ce serait pas dégueulasse. Hein. Enfin, du coup, je redeviens lent quand j'utilise l'objet. Hein. Mais j'ai trop envie de tester les babioles, le but c'est ça. Une bibliothèque. Ah mais j'ai pas... Alors pourquoi je peux pas y aller là? Ah! Alors qu'est-ce qui est intéressant? Il y en a plusieurs intéressants là. J'ai des cœurs. Je peux me faire de la vie. Ça c'est des piercing shots une fois de temps en temps. Je peux pas tout. Quel point c'est Persic Shot? En quoi? Le vise. Broken Glass, je vois pas trop à quoi ça sert. On dirait les le double shot, mais. Ah! Il m'a pas touché alors que. What? Il y avait des trous, j'avais pas vu, putain! J'ai pas vu le trou là, ouais, avec la brillance de la lumière dehors là. J'ai pas vu. Ah, du coup, je sors 2 VOD par jour. Tac, vu que j'en ai plein d'avance. Bête, je sais très bien qu'il faut pas l'utiliser tout de suite. Gemini, attention.
Je peux aller me tailler les veines si je. Là, j'ai des cœurs. Bon, c'est le. Carré de Wobe 1. Juste que je fasse une salle en plus, c'est cool. Ah, bah voilà, mes objets ont été bouffés, j'ai pas fait exprès. Pas non plus. Ouais. Et apparaît. C'est chiant comme ennemi. Ah là bon. Alors, on va aller chercher d'autres babioles. Hein. On en a jamais assez, regarde. Hop. Plus de mouches. Je ramasse tous les familiers mouches là. Attends, mais je vais aller me c'est la jambe là du coup. Bon, je peux pas aller me faire mal dans la cœur, ça c'est un peu chiant. Dans la cœur, ce sens ça me ferait. Ah mais faut que je fasse gaffe ici, ça fait très très mal. Ouais, mais c'est pas grave. J'arrive, là, je vais avoir ces cœurs-là. Mais je suis con! La bombe! Ah. Bon, je crois que j'en ai pas d'autres, si. Ah si, je dois en avoir là. Ah ouais, mais c'est lui, je m'en fous. Ouais, regarde, si je mets... regarde tout ce que j'ai ramassé comme merde. Voilà, tu vois tous les objets sur la droite. Alors, je vais peut-être le mettre un peu plus... C'est la map qui change. On voit un peu mieux la map là, vous l'avez. On voit tous les objets que j'ai ramassés sur la. Pour le rôle. Ça sert à rien, j'ai déjà le Polaroid donc. Une collection. Ouais, toi, c'est que des trinkets. À la base, c'est des babioles. C'est des trucs que tu peux pas accumuler comme ça. Mais j'ai un objet qui fait que quand je me fais toucher, ça les bouffe. Et ça me les garde en moi. Donc, du coup, c'est trop bien. Rien, j'ai rien là pour te rappeler que tu peux abuser du jeu comme ça aussi. Le silver dollar, c'est un peu tard. Je crois que c'est les magasins dans le Womb, justement. Ouais, sauf que je suis déjà dans le Womb. Ah, j'aurais pas dû utiliser mon objet tout de suite. Ah, la credit card. Le prochain objet que j'achète dans le magasin, il est gratos. Magasin. Attends, mais on est dans le bain. Mais la credit card, elle change mon Jira. Jira. Ou l'Orange Jira. Bon, je m'en sors. C'est correct, du coup. Ah, toutes ces mouches que j'ai, parce que j'ai 50 000 mouches invocatrices. Comment je les ralentis? Rib of Grid. Je connais pas, je vais ramasser. Donc j'ai encore gagné un cœur parce qu'il y a un truc qui me donne un cœur à chaque fois que je démarre un étage. Ça c'est les objets que j'ai pas pris dans l'étage d'avant. C'est cool, ça me les met là. Alors je sais pas si c'est pas un trinket qui fait ça, parce qu'à chaque fois, là ça m'a fait pareil, ça m'a donné plein de trinkets au démarrage. C'est un peu l'ennemi chiant. Enfin, quand tu tues, les larmes qui te font. Alors après les challenges sont souvent en mode facile, c'est pour ça que c'est assez simple aussi. C'est que du coup le... Ils sont... Attaque moins vite. Ah là, lui c'est de la merde. Ah, les curses gratos, bon après tu me diras les curses à chaque fois. Pas intéressant dans ce mode là, mais. Savoir qu'on peut avoir des curses gratos comme ça. Les mini pins éliminés.
Le magicien. Regardez la crème de garde. Là, je peux pas y aller, je suis trop fort. Merci, merci. Désolé, j'éternue beaucoup. Moi, tu vois, il fait 5 degrés, je suis dehors en t-shirt au boulot à ranger des palettes parce que. Non, j'avais vraiment le temps. Sachant que j'ai fait le greedy avec les Devil Deal, c'est marrant que je sois pas. J'ai même pris un Devil Deal. Les Devil Deal, ça va, ça donne des objets. Le seul truc qui te donne des objets d'ailleurs. Là. Ah, je garde mon objet, je fais exprès de pas l'utiliser. Hein. Ouais, store dans le womb. Donc c'est bien ça, là. C'est le dollar gris que j'ai là. J'ai pas encore activé. Bah oui. Normalement on a pas de magasin. Par contre ça c'est quoi? C'est un nouvel objet. Le problème de extra curse room, le problème de curse room là c'est... Peut-être. Ah c'est le... Je peux l'utiliser. Ouais, c'est cool d'avoir les magasins. Wouah! Y'a du monde là. Alors, je dois aller jusqu'à Isaac. Hein. Ah, c'est pas grave. Ça me permet de bouffer mes trucs. Allez, on va aller chercher les autres. Alors avant d'aller se faire toucher dans une salle qu'on a déjà visitée, qu'on n'a pas visitée, aller chercher les autres, comme ça, on se fait toucher. Est-ce que je veux les Lucky Rock, enfin les Shiny Rock. Ça permet de faire briller les rochers marqués quand tu les vois pas. Ouais, normalement, moi je les vois, mais ça... Enfin, dans le Womb, je les vois toujours moins. On avait dit que... Mais putain, j'ai vrai que j'avais la credit card et moi j'ai utilisé ma thune. Mais quel con. Alors que j'aurais pu avoir un objet gratos. J'aurais pu avoir tous les objets gratos. Et les coffres gratos. Hein. Alors où est-ce qu'elles sont mes... Babioles. Where is mes babioles? Ah. Ça je connais pas. Ouais, mais ça c'est intéressant. Après on va dans le magasin juste pour faire quoi? Gratuit. Au revoir. Patron. Et que j'adore le bruit des pièces. Ah, tu vois, contre Hitsleeve, je vais balancer une babiole. Je me fais toucher, rien à battre. Ah, mais comme ça, je suis très fort en fait. Ouh, il m'a pas touché non plus. Ah, là, il m'a touché, mais je m'en fous. Ça me permet d'avoir les balles qui rebondissent. Ça. Quand je ramasse des quand je ramasse des cœurs, t'as vu, ça fait pop des araignées. Ah putain, oh, ce build qui va rien dire. Tous les objets que j'ai ramassés. Ah, c'est cool.
Bref, Isaac, dernier boss, dernier étage. Ah, la run dure déjà 45 minutes. Hein. Là, j'ai pas affiché, mais j'en suis à 45 minutes d'enregistrement. Alors, ouais, tu vois, regarde, ça me redonne tous les trucs que j'ai pas ramassés. À chaque fois, c'est marrant. Ah putain, eux. Eux là, ils peuvent être pratiques hein, à des moments. Ah putain, mais même les cœurs que j'ai pas besoin, je peux les faire péter en mouche. Oh, là... Oui! Mon armée, regarde mon armée. Mais c'est trop bien. Mais what? Bon, là j'ai bouffé mon. Tout. Ah, curse. On va pas piffer les pilules. Hein. Trop bien en fait. Mais par contre, là c'est un peu. Enfin, je sais pas comment ça marche, si ça me heal aussi. Ouais, ça me heal d'abord et après ça les transforme en araignée, je pense. Donc ça va, c'est pas complètement débilos. Et vous entre vous, il n'y a pas de problème. C'est mon briquet hein, qui les brûle, on rappelle. Très bien le briquet, alors c'est très random par contre. Hein. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Bonus roll. Un D8 que je peux utiliser qu'une fois? Regardez en bas à droite. Alors j'ai ma pilule, ok. Mais j'ai un D8, mais le D8 c'est un activable normalement. Alors le D8 c'est bien, c'est pas bien. C'est bien, ouais. Poison shot. T'as vu, on voit mes larmes vertes. D8, le problème c'est que je peux vraiment niquer mon build en faisant ça donc. Ah, ça m'a donné un D7, j'ai pas fait gaffe le coup d'avant. D'accord, à chaque fois dans une salle ça me donne quelque chose. Oh putain. Et est-ce que ça marche est-ce que ça marche en mode le champignon? Change de salle à l'infini et attends que ça rôle ton bon truc. Regardez. Ou est-ce que c'est dans une salle pas encore visitée avec plein de boss et tout? D7, c'est pour reroll les rocs ou je sais pas. F1. On sent que le build il est bien. Hein. Ah, vous voyez, ça marche qu'une fois dans une salle. Ça te donne un dé random. Alors, est-ce que c'est juste un dé ou est-ce que c'est autre chose? Réponse sur Isaac. Écoutez-moi ces bruits de laser. Alors, on m'a donné le D6 là. Merde, j'ai eu peur. J'ai eu peur. Hein? Mais quoi? Ah putain, il touche comme ça maintenant! Oh putain, il vise plus comme avant. Faut bouger maintenant. Ah, il est plus gratos, Isaac. Et c'est la win! J'ai gagné le Ice Cube! Qui... C'est le gros cube qu'on peut jouer au foot avec un peu partout. J'ai vu ça dans un gif un jour. J'ai montré les développeurs. Top. J'aime la musique. Ah, la musique d'Isaac? Bah, c'est la musique de base de Rebirth. Bref, bah voilà, c'était le challenge. Comment c'était le challenge déjà? Picarun. Voilà. Donc, très challenge très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Scatman était cool aussi. Picarun. Picarun, bon après, c'est très facile de latter la game. Faites comme moi, vous reroll et derrière. Derrière, tu reroll jusqu'à avoir deux bons trinkets. Moi, j'en ai eu deux très gros d'un coup. Donc, évidemment, facile. Tu démarres avec un petit cancer et les cornes de The Lamb, évidemment, la run est gratos. Bref, au revoir YouTube, merci.